La 30e édition de la Fête du Lac des Nations s'est terminée dimanche dernier. Non seulement il y a eu du beau temps, mais les visiteurs étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, encore plus pour l'été, on recueille les commentaires du président de la fête et des festivaliers qui s'y trouvent. Est-ce que c'est votre première fois à la Fête du Lac? Non, on a fait toute la semaine, on avait acheté notre passeport, alors on en a profité. Ça a été une semaine vraiment là, parfaite, hein? Oh non, je viens à tous les ans, je me passe à tous les ans, je suis ici, à l'ouverture jusqu'à la fermeture. Je suis bénévole ici, donc j'y suis depuis vendredi. Non, c'est la troisième fois. Moi, je suis venue toute la semaine, j'ai acheté la passe de la semaine, dans le fond. Monsieur Chartré, bonjour, bienvenue à Estrie Plus. Bonjour. On a entendu partout que c'était une année exceptionnelle. Avez-vous battu des records cette année? Je pense que oui. Cette fête-là, elle est belle depuis 10 ans. Avant ça, je venais pas, je sais pas. Elle était probablement belle aussi. Mais ça fait 10 ans que cette fête-là est belle. Ça fait 10 ans que cette fête-là évolue. Elle évolue pour le mieux. Meilleure qualité d'artiste, meilleure qualité de feu, etc. Meilleure organisation. C'est de plus en plus rodé. Et au cours des dernières années, on a eu un peu de difficulté parce que la température était réellement pas de notre bord. On y arrivait pareil. On attirait quand même beaucoup de gens. Mais pas autant que cette année. Cette année, c'est tellement facile, là. Il fait beau. Pourquoi pas aller à la Fête du Lac? Est-ce que vous auriez une idée d'artiste qu'on pourrait recevoir ici? Ginette Renaud. Je rêve de la voir ici, Ginette Renaud. Ou un bon humoriste. Michel Louvain, j'aimerais ça le revoir. Bien, on a reçu les Beach Boys il y a quelques années. C'est sûr que ce serait le fun d'avoir un gros nom comme ça. Le MFAO. Justin Bieber. Ouais, ouais. Justin Bieber. Ouais. Merci beaucoup. C'est Rock Voisine qui aura clôturé cette édition de la Fête du Lac des Nations, où l'on aura également pu retrouver Cœur de Pirate, Marimé, Collectif Soul, Radio Radio et plusieurs autres artistes. Souhaitons une aussi belle programmation pour les années à venir. D'ici là, nous on se retrouve à la Féerie des Lavandes pour encore plus pour l'été.